Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle. On est avec un Malphite, un Yone, un Jhin, une Lulu, contre Jayce, Panthéon, Fizz, Vayne et Zilean. Et on a un niveau de jeu actuellement, Platine 3. Allez, c'est parti. Hop. C'est quoi ça? Ah oui, non, j'ai confondu. Non, non, mais tout va bien. Oui, tout va bien. Hop, allez, go. Tac, tac. Bon, dernière game, j'ai fait une très très bonne game, mais j'avais une botlane en combien? 2-12, je crois. Bon, avec un peu de chance, on n'aura pas ce problème ici. Je suis avec un abonné là, Suzuya, c'est un abonné. Ok, on va juste se barrer. Hop, bah super. Je sais pas. J'ai voulu follow le ping, je vais arrêter. Ça fait deux games déjà. La game d'avant, en fait, j'étais avec. Hein. Bon, en fait, je vais juste mettre ma barre d'avant. Je vais arrêter de follow les pings parce que c'est bon, ça me saoule. La game d'avant, j'ai voulu follow un truc chelou où on avait un Thresh en face et il y a un mec qui a voulu qu'on se mette dans un bush qu'on l'attende, sauf que tout le monde n'est pas venu, ils ont engage, bref. Le maître Yi en face qui était jungle a pris un kill early puis il a juste stomp la game, donc c'est super. Je vais arrêter de faire ça maintenant, je vais faire mon early normal, c'est-à-dire que je cover le raid, je mets ward et je rentre, je vais arrêter de follow les pings en early parce que c'est un truc qui me full tilt. Le nombre de games qui sont détruites comme ça où il y a absolument zéro plaisir à jouer sur 20 minutes parce que ça a mal commencé, c'est bon. J'en ai ma claque. Malphite qui n'en a rien à foutre que je fasse un bleu. Bon, bah, très bien, je vais le faire solo. Il n'y a aucun problème. NP smiley, le bon mood avant tout. Évidemment. Hein. Évidemment. La règle de base sur ce jeu, c'est que tout le monde est déjà à moitié tilt, il faut pas contribuer à mettre encore plus de tilt en fait sur le jeu. Donc même si vous êtes avec des débiles, il faut toujours les brosser dans le sens du poil pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes parce que sinon c'est juste la jungle en permanence. Ça peut être assez dur tout ça, mais il faut savoir le faire. Ça fait partie des choses qui impactent fortement le taux de win. J'aime pas le nouveau clear de jungle là, qui perturbe tous mes timings de posture. Allez hop, on va prendre level 3 là-dessus. Let's go. Bon, ok, c'est pas trop mal. Alors, le Yone au mid qui a l'air de plutôt bien gérer pour l'instant. Le Malphite qui se fait push au top. Botlane, ça a l'air de se tirer un peu la bourre. Ok, bah j'ai senti qu'il était à l'aise, il était en train de le bouffer. GG. Ouais, c'est beaucoup plus chiant d'avant de faire le clear de jungle. Mais bon, ouais, je pense qu'il crève là. Hop. Ah. Panthéon qui lui est retombé dessus. Bon, je vais smite mon raid 430. On va essayer d'aller chercher le carap, mais du coup le Panthéon manifestement il est un peu dessus. Oh non, même pas. Je pensais qu'il était dans le coin. On va le stun et le faire partir vers le bas. Ok, bah, écoutez, super, du coup je vais rush le deuxième. Je suis un peu surpris du. Il m'a semblé voir le Panthéon venir vers ici. Malphite qui joue son meilleur greedy boy. Ok, on va déward quand même. On va essayer de pas donner l'info que je suis là. Je pense que je suis pas vu là. Je vais rush le Caraptop. J'ai un petit doute sur le fait qu'il y soit, mais. Non, mais je sais pas ce qu'il a branlé le Panthéon. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai le double Carap alors qu'il y avait aucune raison. Ou alors peut-être qu'il était le life après le fight avec le Yone. J'ai pas bien vu. Alors par contre, j'ai Malphite. Je vais venir le secure parce que j'ai pas d'info sur le Panthéon. Pas qu'il allait se faire bouffer comme ça. Alors là, du coup, ça va être un peu technique. Hein. Vraiment? C'est ce que je mérite, ça. Ouais, bah c'était de la merde. Je pensais qu'il allait venir vers moi, mais je pensais pas que le Panthéon aurait la portée de le stun. Moi, j'ai voulu aller le cover. Bah, c'était de la pure merde. Hein. Bah, c'est dramatique. C'est juste dramatique.
Le coup de marteau du Jace m'a mis dans la sauce parce que sinon je pense que je faisais la doublette. Je prenais le kill du Panthéon. Et après bah, j'étais plutôt à l'aise, mais bah, là c'est de la merde. Je vais rush le Drake, je pense. À 3-1 le Jace. Bah c'est cool. Nickel. Heureusement qu'on a un Yone qui se tombe. Ça c'est très bien par contre. Ok, il y a le Panthéon qui arrive, je vais venir en counter gank. Ok, c'est wardé. Mon level. Putain, vraiment là? Voilà, level 5. On va juste prendre les last hit le temps qu'ils reviennent. Et on verra si on peut pas aller choper le petit Drake. En vrai, j'ai l'impression que le Panthéon est encore parti vers le haut. Pourquoi il me ping? Il va pas que je prends. Eh, mais ça, je comprends pas. Il faut que je fasse quoi? Que je laisse l'XP dans le vent et les golds? Mais je comprends pas les gens qui pètent un câble quand on récupère ça. Qu'est-ce que je fais là de mal? J'évite juste que ce soit gâché. Bref, bon, ce jeu c'est particulier. Hein. Bon, on va rush le Drake en mode no brain. Je fais un clic droit dessus, j'en ai marre. C'est bon, ça m'a déjà tilt. On va juste lâcher la meilleure ping comme ça. Allez, c'est bien. De toute façon, le Panthéon, j'ai l'impression qu'il est parti vers le haut. Il m'a déjà laissé le Garab free, je sais pas ce qu'il branle. Ok, il est au mid. Mais lui, il va s'en sortir, c'est un boss. J'ai absolument aucun doute là-dessus. J'ai un free Drake, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Aucune raison que je l'ai aussi free, mais bon. Écoutez, bah nickel. J'ai des wards. Hein. Ok, il veut juste pas que je vienne sur sa lane en fait, c'est juste ça le truc. J'aurais eu envie de le flash in, hein, mais bon, s'il a pas envie qu'on joue, on ne joue pas. Je respecte ça, il n'y a pas de farm ici. Je vais récup le bleu, ça va me mettre bien. Ouf. Alors là, par contre, j'ai pas d'infos sur la bot lane. On va juste se barrer. Ouais, pas besoin de fight, hein. On est trop à l'aveuglette. Bon, moi j'ai pris le Drake, c'est juste insane. Je vais faire un clear, je vais aller voir si je peux check le Herald après. Drake Infernal en plus, ça met vraiment très très bien. Panthéon doit avoir fait son bleu là. Je sais pas pourquoi il y a de l'avance à l'XP par rapport à moi, ça je comprends pas trop. Pourtant au niveau du farm je suis en avance. Ouais, il a 1 kill, 3 assists, ça doit être ça. Ouais. Votre lane il se fait un peu. Ouais non, c'est le première mort. C'est fine en vrai. Je suis un peu inquiet pour le Jace qui a l'air de snowball un peu fort. Non, le Malphite l'a calmé. Bon en vrai ça se présente pas si mal. On va aller voir pour le Carap. C'est pas impossible qu'il y ait un Panthéon par là. On va essayer de le faire partir dans l'autre sens. Voilà. Hop. Malphite pas d'ulti. Assez wardé. Mais. Voilà. Bonne chance, mon bro. Ok, j'ai lâché mon meilleur flash juste pour rien. Absolument, il l'a kill au rocher. J'ai vu le Panthéon, je me suis dit, ok, à tous les coups, on voit encore pas le kill. Bah, je suis archi deck pour le flash du coup. J'ai juste perdu mon flash gratos. Ce serait bien que je sois pas tout seul contre le Panthéon, mais il est parti en mode full mobilité. Je pense que je le détruis en A1 si je le croise. Faut qu'il reste planqué là, lui. Smite à 540. Est-ce qu'on a le temps? Oui. On le tue hein, tous les jours. Hein. Le stun. Je prends doublé avec interruption. C'était très très bien en vrai. C'était insane. Ça me met à 2200 gold. J'ai le Herald à rush direct. Bon, c'est encore le Jace qui récup. Il a hésité un moment, je sais pas trop pourquoi. Mais. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il n'y avait pas trop de moyens pour que ça se passe mieux que ça et qu'on en sorte avec plus de choses. Donc c'est franchement pas dégueu du tout. On va y aller comme ça. Je vais rush le. Maintenant, je vais jouer autour du Herald. Le Yone qui avait l'air de faire des trucs, mais ouais, le Jace et Maxi Fed en face. Hein. C'est Fed Land en face. Ça, c'est un peu chiant. Est-ce que j'irai pas faire un clear bot avant? Déjà, je vais aller def ça.
Il a back, ok. Je vais juste. Ok, ils en swap apparemment. Là, du coup, c'est super. Je vais juste go Herald, ça devrait être assez free. Bon, j'ai encore la bot lane qui va être dans la sauce. Hein. J'ai l'habitude à chaque game. Attends, je me focus à fond sur les objectifs, moi, tout le temps. J'ai pris le Drake. On va prendre le Herald. On va focus prochain Drake après une minute. J'aurais plus le poil de temps d'y retourner. C'est très bien. Il le bute ou pas? T'as pas besoin de forcer, mec. Je vais venir, moi. Ah, c'est bien. Ça veut dire direct Herald top. Le Yone, je sais pas ce qu'il fout. A fight ici. J'ai aucune idée de ce qu'il branle. Hein. 2-5, ouais. Bon, c'est un Yasuo-like. Hein. C'est juste un cosplay de Yasuo, en fait. Sauf fade, bah oui, mais t'es... Si tu fais tab, tu le vois qu'il est fade, en fait, mon coco. Ok, là, on se régale là-dessus. Par contre, je vais avoir un problème de timing pour le prochain Drake. Je vais back dès qu'on a la tour. Ok, alors là j'ai aucune idée de comment c'est possible. Est-ce que je me fais bolos? Bah écoute, c'est parfait. Ils sont trop cons en fait, Free Drake. Mais c'est des abrutis en fait, c'est pas possible en fait. On vient d'en tuer un, ils sont 3 top. Go Drake, 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 Drake. Je sais pas, ils sont tous au top, il y a un timing Drake montagne en fait, je sais pas, je comprends pas ce qu'ils foutent. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête des gens à cet elo. Incroyable. Mais là c'est juste 100% free, il y a aucun moyen qu'on le rate. Ils sont tous de l'autre côté de la map. Alors par contre j'ai pas de smite, ouais, si c'est, y a peut-être un moyen qu'on le rate du coup. Mais voilà. Ils sont vraiment complètement débiles hein. Moi j'y suis allé, il y avait aucune raison d'y aller. Oh oui. Je peux avoir un tout petit peu de backup. J'y vais. Le tigre. Le Udyr fou. Le joueur français. Insane le fight en vrai. Reste de jungle, on est d'accord. Hein. Ils sont complètement cons. Déjà, il y a le Zilean qui vient solo au top, il n'y a aucun sens. Littéralement aucun sens. Et après, bah, y en a trois qui viennent de plus alors qu'il y a un Drake qui pop à l'autre bout de la map, littéralement. En termes de macro, mais il y a des gens qui font des trucs vraiment, il n'y a aucun sens. Hein. Bon. Non mais c'est bien parce que la game en fait elle a exactement la même gueule que la game d'avant où j'ai joué full objectif et tout, j'ai juste une botlane qui crevait en boucle. Et là ça se passe un poil mieux où j'ai quand même encore pris à tous les objectifs et la botlane on va l'aider à comeback et ça va bien se passer. Je vais littéralement venir prendre des coups de tour gratos comme un bouffon que je suis, évidemment. Ah, je me suis peut-être montré un poil trop tôt. On se barre. Hein. J'ai un flash. Ah ouais. Sans le fil, c'était free. Et, oh, GG le malf en vrai. Hein. Bon, ça sert à rien qu'on y aille de plus. Oh, sauf s'il y a un peu de backup là. Je me prends un petit régène à la tortue. Oh, j'aurais aimé faire des trucs, mais je suis quand même très low life. Ok, c'est wardé ici. Je vais essayer de me régène dans la jungle à fond. Bon, lui. Bon. On va le muter, hein, évidemment. Hop. C'est pas l'allié qu'on rêve d'avoir, évidemment, sur ce jeu. J'ai pas trop d'infos là sur ce qu'ils font. Pourquoi je ne cours pas? Oui. Est-ce que je back ou est-ce que je go farm? Je pense que je vais juste back ici. J'ai le doigt sur le Z pour me mettre un bouclier si je veux un panthéon sauvage qui me proc dessus. C'est pas trop mal en vrai. J'ai chopé le raid. J'ai fait mon taf. Je continue à prendre des petits trucs par-ci par-là. Là, je vais clairement me prendre ça. Hein. Hop. Des bots. Botlane qui continue à se faire exploiter. C'est un abonné le Jin. Hein. Je pense qu'il. En tout cas, même à défaut de faire une bonne game, au moins il tiltera pas, je pense, parce qu'il sait qu'il est avec moi.
en stream et en vidéo. Donc ça, c'est déjà une... ça fait déjà une un mec de moins qui peut partir en mode j'ai juste envie de perdre, go next et qui court sous la tour. Le Yone, je sais pas ce qu'il faut avec mon Gromp là, j'en ai aucune idée. Mais il le fait même pas en plus, il me fait juste perdre du temps. Mais pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Ça me fait perdre 10 secondes. Mais c'est incroyable les animaux qu'il y a sur ce jeu, vraiment. Hein. Il a juste littéralement mis des coups de sable dans le Gromp pour se calmer les nerfs et moi ça me fait perdre un temps de fou sur mon clear jungle. C'est incroyable quand même. C'est incroyable les spécimens qu'on croit sur ce jeu, mais c'est... Ouais, par contre là go, hein. Si t'as un ulti mon malf, je te lâche mon meilleur follow. Hop là, le petit... comment ça s'appelle? Estropieur, c'est tellement le feu ça en vrai, ça fait des dingueries. Le malf est bon, j'aime bien jouer à côté de lui, il fait des bonnes engage. Peut-être moyen de faire des trucs là. Alors faut quand même faire gaffe parce que la Vayne elle peut DPS. Bon. Je pars un peu dans une optique 1v5 là, je vais essayer de prendre un max de ressources, je laisse rien à personne et j'essaie juste de hard carry. Parce que là avec les games que j'ai eu avant, je vous avouerai que j'ai plus confiance en personne. Je n'y crois plus en rien. J'arrive. Alors un peu tard malheureusement. Ouais. Ils sont beaucoup exposés, je sais pas pourquoi ils ont pris le fight ici. Là, pour le coup, bah, ça va être compliqué de défendre quoi que ce soit. Direct 30 secondes, ouais, c'est pas le meilleur timing pour crever. Je sais pas pourquoi ils ont autant overextend. On avait fait un bon pick sur le Zilean, c'était très good. Pas besoin de forcer plus. On va devoir par là. Hop là, c'est bien, ils se bouffent des trucs sur moi. J'avais juste assez de move speed pour pas me prendre la merde du Zilean. Allez, il y a le Drake à gérer là. Faut faire gaffe, on n'a pas trop d'infos. Je pense pas qu'il back le Jace là quand même pas. Quoique je veux la lane en bot lane, mais what the fuck. Tous les jours on y va. Hein. Ok. De toute façon je pouvais plus vraiment back. Je sais pas, je pensais qu'il y avait moyen de faire un truc comme j'ai vu le Jace qui est la plus grosse menace qui était en train de back. Bon, ça leur fait un Drake, c'est juste un Drake des océans. Pour l'instant j'ai pris les deux premiers Drakes qui sont vraiment des Drakes hyper impactants. Là par contre je pense qu'il y a moyen de fight, hein, faut pas les laisser. Hein. Hop, Malphite. Malphite qui fait encore des trucs. Il est bon le Malphite, hein, ça fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup aimé jouer à côté de lui. Là encore une fois il est un peu en 1v1000. Oh dommage. Faut que j'arrête d'essayer de jouer avec lui, il faut que je parte plus dans une optique de split push. Ok parfait, j'ai pile poil de quoi finir mon item, ça c'est vraiment le feu. Bon le Yone au moins qui split, c'est toujours mieux que du int. Je pense qu'on est pas trop mal en vrai. Hein. Faut juste que j'essaye même, là ça sert à rien que j'essaie de faire quoi que ce soit. Avec le Malphite il fait des bonnes engage, il a l'air d'avoir envie de gagner, ça fait plaisir. Je pense que si je joue avec lui, le Jhin il tiltera pas. Et la Lulu c'est un support qui fait du taf dans tous les cas même si elle est derrière. Donc il y a moyen de faire des trucs. Ce serait bien qu'on laisse pas le Herald. Mais je compte pas, j'ai pas assez confiance en Yone pour y aller avec lui. Je vais y aller mais en partant du principe que je suis pas safe du tout. Est-ce qu'ils sont dessus? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bon je pense que je suis vu, hein. Ils ont calé que j'étais là. Pas trop d'infos sur eux, ça m'inquiète un peu. J'ai un smite à 720. Ok, ils sont tous en train de chase encore comme des débiles. Bah, GG à tous. Ok, est-ce que j'essaie d'aller avec lui? Ouais, je pense que je peux récupérer des trucs là. Ah putain, je croyais qu'elle était morte, elle était juste invisible en fait. Ouais, non, je vais juste me faire bolos là. Je peux rien faire. Pourquoi ils crèvent en bas? Pourquoi ils fight? Je ne comprends pas. Pourquoi ils prennent des fights tout le temps quand il n'y a aucune raison de prendre des fights, il n'y a pas d'objectif à récupérer, rien du tout. Moi je vais essayer d'aller avec eux. En vrai je pense que je vais lâcher le Herald Mid, ça mettra un peu de temporisation. Allez je leur donne du temps. Go go go, on chase. Le Jace non? Ils veulent pas? Il y avait moyen de fou. Il n'y a pas de bleu là. Là je pense que si je croise quelqu'un, c'est quelqu'un en isolé et je le 1v1 instant. Allez là il faut que je retourne avec eux maintenant, j'ai pas trop le choix. Je m'attendais à un chase sur le Jace. J'avoue que je comprends pas, j'avais mis le Herald un peu pour ça. Je peux arriver par derrière éventuellement mais je risque de me retrouver un peu en 1v1000. Ouais, ok, je vais y aller sur le Jace. Hop là, allez je prends l'interrupt. Je mets le stun.
J'ai mis des énormes dégâts avant de crever, c'était très très bien. J'ai mis des gros gros dégâts au Fizz. J'ai une mort qui est pas dégueu du tout. Je pense qu'ils vont pouvoir récupérer une grosse phase de jeu derrière. Le snipe du Jace était vraiment très très bien vu parce que là il était placé pour les défoncer. Et je l'ai vraiment stomp instant. Le Malf qui met un bel ulti. C'est bien ça. La Lulu aussi met des bons ultis. Ça fait plusieurs fois que je trouve qu'elle les time plutôt bien. On va dire un petit GG team. Faut booster le moral des alliés. Hein. Faut pas avoir peur de les caresser un peu sur ce jeu. Ça peut faire un mec qui tilt en moins. Et un mec qui tilt en moins, ça peut changer une game. Hein. À mon avis, là, je pense qu'ils peuvent prendre la T2. Non, ils veulent pas. Je pense que c'était free. Mais bon, je sais pas pourquoi ils arrêtent. Il y avait juste un point pour défendre, ça me paraissait assez free. Bon, ils vont vider la jungle, ça c'est vraiment très très bien. Va falloir commencer à jouer autour du Nashor, j'espère qu'on va avoir un peu de vision dessus. Je commence à avoir des dégâts sympathiques. Faut vraiment pas que le Nash soit à l'aveuglette, genre là ça me plaît pas du tout. Bon, en même temps je vais un peu à l'autre bout de la map moi-même, c'est pas forcément très malin. Mais c'est pas moi qui vais aller mettre de la vision, c'est pas mon rôle. Malphite a son ult. Ah non, bah là c'est un free Nash pour eux, littéralement. Je vais aller récupérer le raid, mais... Ouais, bah, c'est my bad aussi là pour le coup. Je pensais que j'allais encore être solo, je me dis bon bah je vais éviter de crever en y allant tout seul, mais là pour le coup c'est moi qui suis pas en position, donc c'est ma faute ici. Je vais essayer de venir ici les aider un peu. Ok, il me fait un peu peur lui. Bon, le Yone qui split push comme un débile. Là c'était vraiment un Nash absolument 100% free pour eux. C'est vraiment dommage. Je m'attendais à ce que la Lulu elle mette une ward en revenant de la phase où elle a pris un peu de jungle en face. Là j'avoue j'ai pas trop compris. Mais... Par contre la Vayne elle va se prendre son meilleur stun. Hein. Il y a moyen de faire un truc là. Hein. Qui a des ultis? Plus personne. Après le Jin, ouais, il peut poke un peu à distance. Oh là là, le Jace, j'ai tellement envie d'y aller. Il y a un Drake 10 secondes. Et moi, c'est le Jace que j'ai envie de snipe là. J'ai du follow si j'y vais ou pas? C'est ça la question. Bon, toi, tu prends ton meilleur stun, instant. Je te mets les dégâts par derrière. Oh putain, vraiment, on passe rien. Ah si, je l'ai tué, on est d'accord, au tigre. Par contre les dégâts cross, ça tape très très fort en face. Ok, le Yone, oui. Le Yone qui nous sort sa meilleure mécanique. Le tigre encore une fois, je prends encore je mets des beaux dégâts, hein, vraiment. Ah oh, oui. Pinguer la PGM. Bon, bah voilà. Bon, j'arrive à faire un bon taf quand même, les fights sont un peu chaotiques. Ils avaient le Nashor en plus en face. J'arrive à poser bien mes dégâts, je mets des beaux stuns. Je suis pas trop mal, hein. Toutes mes morts sont des morts à peu près utiles. Quasiment, j'ai peut-être fait une ou deux conneries en early. Mais j'ai des morts utiles. J'ai littéralement 98 de farm d'avance. Ah non, pardon, 68 de farm sur le Panthéon. Je lui mets un gros stomp en termes de macro. Je pense que je vais partir plus sur de l'armure en premier. Je vais commencer à mettre pas mal de move speed. Là, j'ai des gros dégâts et je vais aller plus dans une optique de split push. Je pense qu'ils avaient le temps de le faire, le Drake là, non? Pourquoi il est solo, lui? Je comprends pas trop le placement. Bon, Yone qui est toujours à le bout de la map, là il faut qu'on soit tous au Drake par contre. Hein. Allez, on a un Malphite qui a un ulti. Non, le Drake, hein. Hop. Ouais, okay, ça a été cancel. En vrai, on peut le forcer, je pense. Hein. Je suis trop en front line, ça va pas, faut que je me barre. Ok, je suis plus trop en front line. Allez, le petit stun gratos, ça régale, c'est... Ah, j'aurais dû mettre une auto de plus. J'ai pas compris trop comment ils ont fight là, c'était très bizarre. Je l'attendais. Je sais pas ce qu'il fout sur les prises de fight, je comprends pas. Le Malphite, qu'est-ce qu'il branlait solo? Après, il a voulu choper le mec quand il est arrivé de sa TP, donc pourquoi pas. Mais par contre, il y a eu absolument zéro follow-up derrière.
sais pas pourquoi il veut me test lui. Hein. On parle quand même à un OTP Udyr ici, attention. Ça peut faire des trucs, hein. C'est aussi pour ça que j'ai pris de l'armure, hein. Je sais que le Jace c'est la plus grosse menace. La Venge, je l'ai atomisé. Bon, jamais de la vie en FF, hein. C'est bon, ils ont pris deux drakes des océans. En vrai, tant qu'il n'y a pas les 4 d'océan, tant qu'il n'y a pas le sol, c'est pas hyper impactant. Hein. Surtout une fois que la phase de lane est terminée, je vais aller récupérer ce que je peux dans la jungle en face. Bon, je fais une game insane, mais vraiment, je fais de mon mieux pour ne pas tilt et poser un max de dégâts. Mais je comprends pas la macro de l'équipe en fait, je comprends pas ce qu'ils foutent. Oh, j'ai pas réussi à le smite. Je voulais tellement. Et prends ton meilleur stun, toi, hop. Oh oui, le Jin, c'est un abonné le Jin, GG à lui. GG à lui, les abonnés de ouf. Le dash stun. Le Udyr français. Faut qu'il tank pour moi le bro là. Bah, GG les bros. Ouais, il faut pas FF. Oh, ça doit être le Lyonnais qui a dû vouloir FF à tous les coups. Je vois bien le type de construction psychologique du mec. Joue à un jeu mais n'essaie pas de gagner, je connais, hein, je connais. Ok, on prend pas mal là-dessus. Oui, en vrai, oui, hein, complètement. Hein. On s'arrête jamais, moi je suis full PV, full mana, j'ai tout ce qu'il faut. Carrément, il y a pas de fin à notre push là. Ok, faut faire gaffe aux dégâts de la vine potentielle. GG. Bon. Écoutez, j'ai joué exactement comme la game d'avant, sauf que la game d'avant, la botlane, elle a vraiment fait nimp, et là, bah, c'était un peu mieux, et on win. Bah écoutez, ça fait plaisir. Je vais clairement mettre un GG au Malphite. Franchement, c'était très cool, j'ai fait pas mal de belles phases de jeu avec lui, il y a eu du bon follow-up. C'était pas dégueu. Ok, allez, on va voir un petit peu les stats. Plus 12 PL, c'est quoi cette blague? J'étais plat 2 avant. Je sais pas trop. J'ai un S. Bon, ça ça se foule pas dans le chat. Bon, bah, j'ai fait une belle petite game. 11-5. 14 300 gold. Je voudrais bien voir, j'ai mis combien de dégâts. 152 000 dégâts. C'est pas mal en vrai. Game plutôt propre de ma part. Quelques petits misplays. C'est toujours un petit peu ça qui est compliqué, surtout sur des games où ça teamfight beaucoup avec des persos qui sont chiants à catch. Est-ce qu'il vaut mieux follow à tout prix les fights, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser un peu les gens faire leur sauce et se focus à fond sur prendre les tours, les objectifs et tout. Des fois j'ai un peu du mal encore à choisir entre bon, j'y vais quand même un peu les aider, ou je suis focus sur mes objectifs et voilà quoi. Bon, écoutez, j'espère que cette game vous a plu. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.